vous allez faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, programme du jour, on va cuisiner. Donc on va aller à Malissa, culture et langage, quelque chose comme ça, school. Donc c'est pas loin d'ici. Donc je vous en dis pas plus, on va rencontrer une personne là-bas et je sais même pas ce qu'on va cuisiner. À la base, on devait cuisiner une salade. Je t'avais dit une salade à la papaye, finalement ça a changé. Donc c'est vraiment, ça va être de la découverte. Allez, c'est parti. At first, the snowy are in the box and put it again on the side. Là, on va goûter. Ça a l'air super bon tout ça. Franchement, c'est bon. C'est quand même un peu épicé. Mais c'est bon. La viande est excellente. Coucou, donc voilà. Alors, pour le cours de cuisine, sincèrement, c'est un truc à faire, c'est super intéressant. Après, pourquoi j'ai choisi celui-ci en particulier, c'est tout simplement parce qu'il propose de la viande halal. Donc du coup, c'est génial de pouvoir cuisiner, de pouvoir manger ensuite ce qu'on a cuisiné. Mais c'était super intéressant. Le cours se donne en japonais, mais elle parle aussi anglais. Il y a énormément de japonais qui vont dans cette école, puisque c'est une école qui propose des cours de langue, des cours. Il y a vraiment plein de choses. Ils font plein des activités manuelles et de la cuisine. Et franchement, c'était trop bon, c'était génial. C'est vraiment une superbe expérience, je trouve, d'aller dans un pays et de rencontrer les locaux et de cuisiner les plats locaux. Voilà, c'était un top. C'est la première fois que je fais ça et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. C'est vrai qu'avec les filles, j'ai pas pu suivre la recette, on va dire, à 100%, mais elles se sont aussi bien amusées et les dames ont essayé de les faire participer, etc. Donc c'était vraiment une superbe, superbe expérience. Je vous recommande, et si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le blog et vous trouverez donc les liens, etc., les prix, les cours, etc. Toutes les informations seront sur le blog. Mouah, bye bye.